et sa mère. Et ce soir, nous sommes le lundi 22 juin 2020. Et la vidéo que je vous propose ce soir est une vidéo que je n'ai jamais faite sur ma chaîne Adila et sa mère. Ni en décembre 2018, ni en 2019, et ni en 2020 dans cette année qui se poursuit. J'espère qu'hier vous avez passé une bonne fête de la musique 2020 et une bonne fête des pères 2020. Et j'espère que votre père a été chéri par le cadeau que vous lui avez offert et que ça lui a fait beaucoup plaisir, qu'il a eu beaucoup de bonheur, de joie, d'amour, qu'il a été heureux et positif et que le petit cadeau lui a fait un grand plaisir. Et aussi pour la fête de la musique, j'espère que la musique a pu rassembler tout le monde, même avec des petites distances de 1 mètre pour ceux qui ne sont pas de la même famille, qui ne se connaissent pas, et pour faire les gestes barrières, puis qu'il y a le virus qui est encore présent. Et il y a pu avoir beaucoup de joie, de bonheur, d'amour, de paix, et que tout le monde a été heureux, et de la positivité hier, le dimanche 21 juin 2020. La vidéo que je vais vous faire ce soir est une vidéo dégustation. Les dégustations, c'est vrai que c'est des vidéos que je ne fais pas trop sur ma chaîne YouTube ASMR parce que j'aime pas trop faire des vidéos où je mange au bruit de bouche, mais j'en fais pour faire pour tous les goûts et pour toutes les personnes qui aiment bien ce déclencheur de manger et bruit de bouche et dégustation. J'en regarde même pas aussi sur YouTube avec les ASMR artistes français et d'autres même parce que j'aime pas trop. Et après, ça peut être le goût de tout le monde et chacun a son choix. Celle que j'ai faite date d'il y a plus de 2 semaines, il y a 18 jours précisément, le jeudi 4 juin 2020. C'est la vidéo qui s'intitule et qui s'appelle « Dégustation de Barba Papa au goût tutti frutti ». Au début, dès le départ, j'ai cru que c'était même au goût Barba Papa pour la petite anecdote, parce que c'était bleu. Et normalement, quand c'est bleu, c'est framboise, là, le goût. Mais en fait, c'était au tutti frutti, à tous les fruits. Et celle que je vais vous faire ce soir, qui s'intitule et qui s'appelle Dégustation de sucette au goût fraise avec de la poudre pétillante 2020. C'est juste ici. Je l'ai gardé parce que normalement, moi je mange vite les choses que je possède, surtout les bonbons. Mais je l'ai gardé, donc je la garde. Et bah, bien sûr, je vais faire une vidéo avec. Mais je crois que c'est pas ça. Mais ils m'ont dit un truc assez bizarre qui disait en français trempette et étrange fraîche. Je ne sais pas du tout ça veut dire quoi. Ça veut rien dire. Donc je pense que c'est pas la bonne traduction. Je sais pas du tout. Voilà la poudre pétillante et tendre. J'espère que on va entendre parce que j'ai pas de micro, c'est surtout avec un micro qu'on fait une vidéo comme ça. Vous entendez cette poudre pétillante qui pétille dans la bouche et je vais vous faire écouter ça pour vous relaxer, vous détendre et vous ramener jusqu'au sommeil pour dormir. Thank you.
Cool, ça veut dire bien. Écoute, Bobbing Deep. Je pense que c'est bah, ça veut dire en fait c'est la sucette. Bien, cool. Bobbing, sucette, deep. Et cool, c'est bien. Parce que c'est un doigt où ça fait bien. Bobbing, ça veut dire la sucette. La sucette, cool. La sucette. Le sucre rose à l'intérieur. Je vais vous montrer ça tout de suite. Trop bon. Pas assez. Voilà. Il y a un petit peu de ça va vous détendre. Sur la sucette, voilà, il y a la poudre pétillante. On dirait de la lave. Voilà la poudre pétillante. Au son et ça sera relaxant, ça va vous détendre et ça va vous faire des frissons et ça va vous ramener au sommeil pour dormir. Mais franchement, c'est bien fait parce qu'il y a les reliefs du doigt qui se referment et là le pouce en haut. Les reliefs sont très très bien faits. Je vais le retremper dans la poudre pétillante et fait pour relaxer encore et vous détendre. La prise intense avec la poudre. Et là, c'est en train de...
empêche le bruit est vraiment bien fait. On l'entend un petit peu. On a entendu un petit peu, donc je remets parce qu'on n'entend pas trop. C'est assez relaxant. C'était très bon aussi au coup. Après, il y a plusieurs coups. Surtout cola, du Coca-Cola. On entend vraiment le crépitement, en tout cas de la poudre pétillante. J'espère le bruit. Bien le bruit, en tout cas de la poudre pétillante. La poudre pétillante est vraiment très très bonne déjà pour commencer, et aussi le bruit très avec beaucoup de frissons. J'espère que le sommeil sera au rendez-vous aussi pour certains qui arrivent à dormir sur mes vidéos, parce que c'est pas tout le monde qui arrive à dormir sur mes vidéos, parce que des fois on peut être stressé et on a trop de pensées dans la tête et on n'arrive pas à dormir. Là j'en ai mis beaucoup. Regardez toute la poudre pétillante qu'il y a dessus. Même sans que je mette la sucette dans ma bouche, je peux aussi en mettre direct dans ma bouche de la poudre pétillante et on entend bien. C'est juste que si je la mange, après on n'entend plus, mais non, on l'entend. Désolée pour mes dents, si ça vous dégoûte aussi de voir mes grosses dents, parce que j'étais dans le lapin, j'ai déjà des grosses dents. Après, on n'est pas là pour juger le physique, on regarde juste la vidéo pour se relaxer, pour se détendre. Et pour enlever peut-être le stress que vous avez avant cette vidéo. Mais après, si on peut être trop stressé, on n'arrive pas à vraiment se mettre dans la relaxation. Voilà. Et là, je vais garder ça. Je vais finir cette vidéo avec cette fin de poudre pétillante. Et après, je mange un petit peu de la sucette. Et je finirai cette vidéo en beauté. J'espère que ça vous aura relaxé et détendu et rendormi pour certains. Ah.
ancêtres. Je peux pas tenir en fait des je peux pas faire du bruit avec et tenir la sucette. Parce que j'ai essayé du haut et il y a de la bave un petit peu dessus, donc voilà, c'est pas très très bon à voir quand même. Ah, sinon je l'ai mis juste derrière le boost, mais là je remarque quand même quelque chose, on dirait plus de la framboise parce que les roses, j'ai de remarquer quand même, j'ai vu depuis le début qu'il était rose, mais il est pas vraiment rouge comme on le montre sur le corps lori de l'emballage. C'est juste ça qui est un petit peu dommage, mais par contre sinon le relief en tout cas c'est très très bien fait, une très bonne sucette avec très bon coloris. Cool popping dips, moi je pense que c'est du coup c'est la sucette cool avec le doigt, comme si c'était bien, c'était cool, c'était ok.
version en français de Tutti Frutti, c'est à tous les fruits. Donc ils mettent un petit peu de tout dedans pour que ça fasse un goût. Ce soir, la vidéo que je vous propose, j'espère qu'elle vous aura beaucoup plu. Heureusement que j'ai attendu en tout cas de ne pas l'avoir mangé, mais dès de base, normalement, je mange tout vite. Surtout les bonbons, je m'empresse de les manger vite. Je sais pas, j'ai l'impression que j'ai un truc qui fait que j'ai envie de manger vite, mais c'est pas bon pour l'estomac parce que ça peut faire mal, ça peut pas être bien, c'est pas bénéfique parce que c'est un truc, c'est quelque chose. Je suis le premier à manger vite et je dis ça à peut-être d'autres personnes qui mangent vite, je ne sais pas. Et en tout cas, faites vraiment attention, ne mangez pas trop vite. Et voilà, je vous conseille juste ça. Mais j'espère que ça vous relaxe. Juste à vous dire, n'hésitez pas à liker, vous abonner, activer la cloche de notification pour de nouvelles vidéos. Dites-moi si vous voulez de nouvelles dégustations que je vais faire avec un aliment précis que vous voulez ou quelque chose que vous voulez. Dites-le moi, même si j'aime pas trop faire cette vidéo là. J'avais le. Dans mes vidéos, c'est pas une des vidéos en tout cas que je privilégierai parce que c'est pas les vidéos que j'aime bien faire. Mais au moins c'est plaisant et c'est relaxant. Et surtout avec la poudre pétillante qu'elle avait à l'intérieur et cool popping. Retenez pas ça, retenez juste que c'est une sucette.